Marie Dariussec, bonjour. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui à l'occasion de la parution ces derniers mois de Un lieu à soi de Woolf, ce texte extraordinaire dont on va parler ainsi que de votre œuvre. Vous avez traduit ce texte en 2016 pour les éditions de Noël. Nous l'avons repris en folio classique cette année. Vous avez ajouté une préface. Et j'ai confié à Christine Régnier l'édition, l'annotation de ce texte. Alors rappelons quelques dates pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas encore ce grand texte qui date de 1929. Virginia Woolf est très connue déjà à cette époque. Elle a écrit... elle a publié Mrs. Dalloway en 1925, elle a publié Orlando en 1928, texte tout à fait étonnant où le personnage principal change de sexe au fil des époques, mmh. issu de sa relation avec Vita Sackville-West. Et là, la voilà qui sort du bois, pourrait-on dire, pour reprendre une de vos métaphores, et qui met en avant son féminisme et son expérience de femme. Il faut rappeler que Virginia Woolf n'est pas uniquement une romancière. Je me demande même si elle n'a pas écrit plus de pages d'essais qu'elle n'a écrit mmh. de pages romanesques. Cet essai, à son époque, a eu beaucoup de succès, mais a été en même temps très contesté mmh. par ses ennemis de l'époque conservateurs. Une journaliste anonyme écrit « C'est un livre à offrir à son mari pour Noël ». On ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui écrit ça. Et Woolf, elle-même, dans son journal, émet des doutes sur son propre travail dans ce texte et dit « Ce livre possède une vie inquiète mmh. ». C'est joli. Très joli. Très wolfien. Pouvez-vous nous rappeler en deux mots de quoi il s'agit ici, dans cet essai qu'on peut qualifier de narratif, de presque romanesque? C'est un livre qui a un statut très étrange et qui d'ailleurs a été très difficile à traduire. C'est un ensemble de deux conférences qu'elle a données en vrai, donc, dans une université pour femmes, mais qui sont déjà très romancées. Enfin, ce sont des conférences qui mettent en scène des personnages qui sont des sortes d'avatars de Woolf. Une jeune romancière, Marie-Claire Michael, une femme plus âgée, Mary Benson. Il y a beaucoup de Mary. Et qui traversent le temps à travers donc, l'écriture des femmes. Et on rencontre donc les Sœurs Brontë, Aphra Behn, George Eliot, toutes les grandes écrivaines de la littérature anglaise. Et il y a une liberté de structure incroyable. Ça saute beaucoup du coq à l'âne, ou de la poule à l'ânesse, je ne sais pas. Et on rencontre des chats, on rencontre des vieux professeurs, on rencontre des critiques grincheux, et puis des jeunes femmes audacieuses. C'est un texte très protéiforme et très sauvage, au sens il est très difficile à domestiquer, justement. Et pendant tout mon temps de traduction, j'étais obsédée par son nom, Woolf. C'est une louve. Et vraiment, elle a ce côté... elle suit à la trace ses idées et les jardins ne sont pas du tout domestiqués, quoi. Et elle est extrêmement séduisante pour ça, intellectuellement. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'elle n'est jamais théorique, jamais, bien entendu, pontifiante ni donneuse de leçons, toujours très, très ironique. Mmh. Et elle permet aux lecteurs, et à tous les lecteurs, et surtout aux hommes, de se mettre dans la peau et dans la tête mmh. D'une femme. Oui. Ce que peut vivre et éprouver une femme des mmh. années 20-30. Mais ça, c'est une méthode assez novatrice dans l'essai, dans la forme de l'essai. Bien sûr, ça a été fait en roman. Ne serait-ce que par les Sœurs Brontë, voilà, on est complètement dans leur peau, quoi, dans la peau de Jane Eyre, etc. Mais là, on est dans la peau d'une intellectuelle qui, de bonne foi, veut entrer dans une université et veut aller à la bibliothèque et se rend compte qu'elle n'a pas le droit d'aller à la bibliothèque si elle n'est pas accompagnée par un homme, mais elle n'a même pas le droit de traverser la pelouse, comme un chien, littéralement. Alors, elle cherche son chemin ailleurs, dans des universités pour femmes. Elle se rend compte qu'on y mange très mal. Et ça devient très drôle, c'est-à-dire la description des menus, des pruneaux secs du dessert, par rapport à la magnificence des festins des universités pour hommes, qui d'ailleurs ne sont pas décrites par la société de l'époque comme des universités pour hommes. Ce sont des universités. Et puis, il se trouve qu'il y a cette anomalie du collège pour femmes. Bon, et tout ça est très, très drôle. Et puis, il y a ce passage du fameux chat sans queue. Et là, elle est vraiment grivoise. Enfin, elle y va franchement, quoi, sur l'absence de queue du chat. Et c'est très surprenant. J'avais oublié qu'elle était comme ça. Parce que la traduction, moi, je l'avais connue de Clara Malraux il y a des années, dans les années 50.
la calme un peu, j'ai envie de dire. La, oui, essaie justement de la faire rentrer dans un rang, on ne sait pas trop lequel. Mais... Et puis j'ai découvert aussi, alors c'est une traduction très élégante, hein, celle de Clara Malraux, très française, mais justement un peu trop française. Moi, j'ai essayé de conserver le côté assez étonnant de sa langue anglaise, un peu heurté, un peu rugueux. Et puis, j'étais étonnée des coupes. Enfin, on s'autorisait à l'époque, dans les années 50, de couper les passages qui étaient trop anglais, justement. Et alors, il manque des bouts, c'est assez marrant. Bon, après, il y a eu d'autres très bonnes éditions, hein, très bonnes traductions. Mais j'ai traversé ce texte avec très souvent beaucoup d'étonnement et de difficultés, hein, parfois. Alors, une des grandes nouveautés de votre traduction, c'est que, bien sûr, la room n'est pas la bedroom. Alors ça, ça paraît tout à fait évident, ouais. Mais je sais qu'on vous l'a pas mal reproché. En tout cas, vous remarquez qu'il s'agit bien d'un lieu, d'une place, et même plus encore, pour moi, d'un espace de travail. Oui. Puisque Woolf insiste beaucoup, et c'est frappant, sur les conditions matérielles et sur l'argent. Voilà, une femme qui parle d'argent, ouais. Ça c'est aussi nouveau. Quand vous dites qu'on se met à la place de cette femme, de la femme protéiforme qui est décrite dans le texte, il y a aussi la figure de cette jeune étudiante qui, ne voulant ni être gouvernante, ni être gouvernante en fait, ou institutrice, se résout à être lectrice pour vieilles dames ou à, comme on faisait beaucoup à l'époque, à fabriquer des fausses fleurs en tissu. Ça, c'était les métiers qui étaient autorisés quoi, pour les femmes qui ne voulaient pas se marier. Cet espace de travail qui est réclamé par Woolf pour les femmes n'existe pas concrètement. Hein. Elle parle de Jane Austen qui, on le sait, a écrit toute son œuvre sur un coin de table dans le salon. Bon. Alors, à vrai dire, les critiques n'ont pas été très sévères contre ce titre. C'est vrai qu'en France, on est habitué à des titres qui sont comme gravés dans le marbre, comme Gatsby le Magnifique ou des choses comme ça. Mais... à vrai dire, les critiques ont assez bien accepté ce changement. Ce n'est pas une chambre. Il y avait eu un précédent, il y a une pièce à soi qui avait été... une pièce bien à soi. Ah oui, bien à soi. Une pièce bien à soi qui avait été proposée chez Rivage. Ça fonctionnait aussi, oui. Et moi, j'avais pensé à une pièce à soi, mais c'est moche. Voilà. Alors, quand on traduit, il faut faire très attention à la sonorité. Oui, voilà. Et une pièce aussi, comme elle parle d'argent, j'avais peur que les lecteurs ou les lectrices... Voilà, pense à la pièce de monnaie. Un endroit à soi, ça c'est pour qui sont ces corbeaux croassés, serpents, sifflets. Donc ça ne vache pas non plus. Un lieu à soi me paraissait neutre et tout à fait fidèle. Oui. Je voudrais juste revenir sur le fait que, évidemment, elle sait très très bien ce qu'elle écrit. Et dans le texte, on circule de room en bedroom en bed-sitting room. Mm-hmm. La bed-sitting room étant le studio, en fait, ce qu'on appelle un studio, l'endroit où on s'assoit sur le lit. Et elle trouve ça trop petit, un bed sitting room. Elle a deux pièces, c'est bien, c'est la liberté, deux pièces. Et donc elle réclame ce lieu où on n'est pas couché, où on n'est pas une femme en chambre, une femme de chambre. Il y a un passage assez célèbre sur la nécessité de ne pas avoir 13 enfants pour pouvoir exister. Et il y a effectivement une dimension contraceptive au fait de pouvoir faire chambre à part éventuellement. Mais le titre ne parle pas de ça. Voilà. C'est beaucoup plus large. Mmh. Il me semble qu'elle-même, à la Hogarth Press, où elle travaillait avec son mari Leonard Wood, avait sa pièce à elle. Et je crois qu'on voit ça dans un film biographique sur elle. Il fallait fermer la porte, oui. Elle mettait un petit panonceau, ne pas déranger. Il ne fallait surtout pas, sous aucun prétexte. La porte est très, très importante. Oui. Et je pensais d'ailleurs à elle pendant le confinement, où il y a eu une recrudescence des violences conjugales, cette possibilité de fermer la porte. Voilà, à l'intérieur de chez soi. Et je crois qu'elle pense aussi à ça. Voilà. Oui, ce qui ne veut pas dire une exclusion du couple. Non, pas du tout. Avec son mari, bien sûr. Voilà. Oui, et d'ailleurs, c'était une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, ouais. À leur façon. vous concluez par une très belle expression, votre préface. Pour vous, l'une des leçons de ce texte, on peut retenir, c'est la chose suivante que nous dit Woolf. Il faut être masculin-féminin, féminin-masculin. Très belle expression. On en revient à donc, Orlando et à ce thème de la bisexualité au sens très large. Et donc là, c'est quelque chose de très important, d'extrêmement moderne. C'est-à-dire, vous dites là que le genre importe, bien sûr, le genre importe. On le voit, les conditions faites, réservées aux femmes ne sont pas celles des hommes. Donc le genre est là, est présent pour nous. Mais il faut le dépasser. Oui,
C'est un texte pionnier, donc très ouvert finalement, où elle où elle prend finalement assez peu parti sur la question de l'écriture féminine. Il y a un passage du texte où elle est, on pourrait presque dire, essentialiste, c'est-à-dire elle dit qu'il y a une écriture des femmes, qui n'est pas celle des hommes, mais à d'autres moments elle est beaucoup plus fluide, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est un texte qui est à la fois pamphlétaire, c'est-à-dire qu'elle s'énerve et à juste titre contre les énormités qu'on a pu comment la femme est décrite à travers l'histoire de la littérature, de la psychiatrie, etc. Bon, elle s'énerve à juste titre, elle est très très cruelle par moments, mais sur ces grandes questions, y a-t-il une littérature féminine, etc., elle est finalement assez elle propose des choses. Une autre chose qui me frappe dans votre préface, c'est que vous rappelez qu'en traduisant ce texte, vous travaillez sur la peintre Paula Modersohn Becker, la contemporaine de Woolf, qui a vécu seulement 30 ans, qui est née en 1876, morte en 1907, quand Woolf est née en 82 et morte en 41. Vous en parlez dans ce très très beau texte que j'aime énormément, Être ici est une splendeur, Vie de Paula M. Becker, mais vous rappelez que alors Paula Becker, oui, il faut dire deux mots sur elle, si je me souviens bien, c'est la première femme à s'être représentée nue dans un autoportrait, et a fortiori la première à s'être représentée enceinte. Et vous rapportez que ici dans ce texte, vous ne cherchez pas à écrire la vie de Paula Becker, mais plutôt à en glaner les traces. Un siècle après. Ce mot de trace m'a frappée. Je me suis dit, voilà ce que laissent des femmes. Les femmes, des traces, seulement des traces. Je pense que vous vous employez à valoriser, à montrer ces traces et à les valoriser, à tel point que, en même temps que votre livre, il y a eu une exposition à laquelle vous avez participé, où je crois, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, entre autres lieux, où je crois tout le monde a découvert, et moi la première, cette grande peintre. Oui, en France en tout cas, parce qu'elle a une certaine notoriété en Allemagne. Oui, Paula Becker a laissé plus que des traces, parce qu'en fait, elle a laissé près de 1000 tableaux et 6000 dessins, dont y a eu la guerre, donc on a à peu près 750 tableaux qui nous sont parvenus. Maintenant, elle a un musée, enfin, maintenant, elle est relativement reconnue en Allemagne, et elle commence à l'être grâce à nos efforts dans d'autres pays. Donc, ce sont plus que des traces, mais effectivement, si on ne fait pas cet effort énorme d'exhumation des œuvres, il ne reste rien. Rien, en fait. Un nom qui flotte. Et qui n'est même pas son nom, puisque Paula Modersohn, c'est le nom de son mari. Paula Becker, c'était le nom de son père. Il y a vraiment la question du nom des femmes, qui est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est surtout un prénom, Paula. Et Virginia Woolf, elle a su imposer quelque chose de beaucoup plus profond qu'une trace. Enfin, elle a vraiment... je ne sais pas comment la décrire. J'ai une très, très grande admiration pour elle. Mais elles avaient, je pense à Simone de Beauvoir ou à des femmes comme ça, Marguerite Duras à sa façon, ou à leur façon, les sœurs Brontë, ou surtout George Eliot, Afra Behn aussi, qui est si peu connue en France. Elles avaient une puissance phénoménale. Enfin, les hommes ne devaient pas déployer une puissance pareille. Et c'était souvent une puissance qui se retournait contre elles. Hein. On connaît le destin de Woolf. Le fait d'avoir à être si forte finissait par être très, très... Une forme d'auto-empoisonnement aussi, voilà. Ce qui nous renvoie au thème de la sorcière. Oui. Ce qui me frappe aussi... Et pardon, sur Paula Becker, Paula est morte d'un accouchement. Donc c'est aussi Rilke, qui était son meilleur ami, qui n'a pas fait grand-chose d'ailleurs pour la sortir de l'ombre. Rilke avait dans son célèbre Requiem, qui lui est dédié, mais où il ne dit pas son nom à Paula, il avait qualifié cette mort de mort démodée. Mourir par accouchement. Une autre chose qui me frappe en étudiant une bonne partie de votre œuvre, c'est la question des inégalités de conditions, pour employer un terme un peu fort, entre hommes et femmes, on vient de le voir, mais plus généralement, dans La mer à l'envers, l'héroïne se lie avec un migrant. Dans Il faut beaucoup aimer les hommes, il s'agit d'un couple qu'on appelle, je ne sais pas si l'expression est encore politiquement correcte, mixte, femme blanche, homme noir. Vous avez traduit les essais de James Baldwin, noir américain. Il me semble que vous travaillez beaucoup sur cette question des inégalités et la manière de les dépasser, et surtout le dépassement. Oui, enfin j'essaye, c'est abyssal.
chez Woolf, chez Baldwin aussi. Enfin, je crois que tout ce qui m'intéresse, m'attire, me travaille, m'inquiète, c'est plutôt la question de ce qui est minoré, de ce qui est passé sous silence, de ce qui est ignoré, de ce qui est forcément dérangeant aussi pour un certain type de société patriarcale, disons, et blanche. Et comment tous les autres essayent de faire faille au milieu, essayent de passer quand même, quoi, la question du passage. Ouais. Et on en revient à la fluidité. Donc. On en revient à la fluidité, on en revient à la migration. Ouais. On a, donc je suis attirée par les écrivains ou les écrivaines qui trouvent une façon de faire brèche dans un univers très monolithique, qu'il est de moins en moins, heureusement. Enfin, notre époque est dure, etc. Elle est aussi extrêmement excitante. Oui, et pour les femmes, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a même 20 ans, 40 ans. Et ça va vite. Et ça va vite. Enfin, il y a un rattrapage. Toujours trop longtemps. Voilà, il y a un phénomène de rattrapage. Moi, j'ai deux filles et un fils, mais je parlais encore récemment avec une de mes filles du fait que quand moi j'étais jeune, enfin quand j'avais son âge, les concepts nous manquaient. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le concept de harcèlement de rue, par exemple. Le concept de féminicide, qui est très important. Donc ces mots nous aident à penser ce qui nous arrive. Et donc là-dessus, ça va assez vite, effectivement. Oui. Alors il y a une résistance qui est très forte aussi. Mais là encore, je passais dans la rue, je voyais ces formidables... cette expression de rue, c'est pas des graffitis, mais c'est collages de feuilles A4 qui ont été inventées par Marguerite Stern. Et donc, ce sont des slogans féministes, très simples parfois. Tu n'es pas seule, tu es forte, le patriarcat tue, voilà. Et on se sent accompagné. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça n'existait pas avant. Et j'ai vu justement, et j'ai pensé à vous, sur la façade de la maison de l'appartement de Marguerite Duras, rue Saint-Benoît, « Il faut beaucoup aimer les hommes ». Ah, c'est super. C'est bon. un joli clin d'œil. Voilà. Alors, une autre voix qui est très souvent minorée et que vous avez remise en avant, c'est celle des jeunes filles, des très jeunes filles. Vous le faites dans Clève, qui est un roman que j'aime beaucoup pour diverses raisons. Et là, mon appétence et mon goût pour les classiques revient. Je me suis interrogée sur le parallèle avec la princesse de Clève. Alors, pour rappeler un tout petit peu le contexte, c'est en 2006, déjà en 2006, que Nicolas Sarkozy... Oui. Alors, ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, a énoncé ses propos que l'on connaît, dont on se souvient, sur un ton très goguenard, une postière, une guichetière. Vous imaginez bien qu'elle n'a rien à dire et qu'elle s'en fiche de la princesse de Clèves. Elle n'a pas besoin de le lire, je crois. Elle n'a pas besoin de le lire et donc il n'a pas à être inscrit au concours. Tollé des universitaires, des intellectuels à très juste titre. Et des postiers. absolument. Ouais. Christophe Honoré réalise son film « La belle personne » en 2008. Votre roman paraît en 2011. Et là, je me suis dit, chose très importante, Madame de Lafayette entre en Pléiade en 2014. Mm-hmm. Toute son œuvre, donc. Ouais. On rappelait qu'elle n'était pas la femme d'une seule œuvre, mais qu'elle avait écrit bien d'autres romans. Et puis, cette année, 2019-2021, La princesse de Clèves, au programme du bac de français. Là, il y a une très belle progression et évolution. Il me semble que la princesse de Clèves est, comme on sait, une héroïne de la sincérité, avec la fameuse scène de l'aveu notamment. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille sur la comment contenir le désir, la question de l'abstinence, de la rétention de ce désir, la continence. Il me semble que vous avez pris le contre-pied, mais c'est tout aussi choquant, oui. Et que votre geste romanesque est tout aussi choquant et a choqué en 2011 oui. que celui de Madame de Lafayette en 1678. J'ai relu les critiques journalistiques, beaucoup, et donc vous faites parler une toute jeune fille qui découvre sa sexualité, son corps, c'est-à-dire aussi sa féminité. Beaucoup de critiques insistaient sur le mot de crudité. C'est cru, vous employez un terme cru. Je me disais, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous dites ce qui est. Vous employez les mots que les jeunes, dont les jeunes usent, les jeunes et les moins jeunes, vous dites ce qui est, avec le réalisme, même l'hyper-réalisme de Woolf. Oui, oui. Alors, donc, toute proportion gardée par rapport à Madame de Lafayette, ma petite héroïne de Clèves, de ce village que j'ai nommé Clèves, est une jeune personne, une belle personne d'ailleurs, mais qui dit oui tout le temps. C'est une adolescente des années 80, elle se croit obligée, pour être conforme à la description qu'on fait des femmes de l'époque, d'être une femme libérée.
c'est-à-dire de coucher au-delà de son propre désir, de se faire du mal aussi, en disant oui tout le temps. La princesse de Clèves disait non tout le temps. Et pour moi, c'est plutôt qu'une héroïne de l'abstinence, c'est une héroïne de la paresse. Elle, c'est trop de complications de dire oui. Je la trouve magnifique. Et ma petite Solange, mon héroïne, elle dit oui parce que c'est aussi beaucoup de complications de dire non. Dire non, c'est compliqué, surtout dans les années 80. Et donc, c'est un roman de cette très brève parenthèse qu'il y a eu après la, disons, libération sexuelle, réelle, contraception, droit à l'avortement, mais aussi programmée par le patriarcat, d'une certaine façon. On était obligés de dire oui. Donc, et c'était juste avant le sida. Et donc, il y a eu une parenthèse comme ça de soi-disant libération. C'est assez autobiographique, hein, qui nous a obligés, les filles, mais aussi les garçons, très tôt, peut-être trop tôt, à malmener un peu notre désir, nos corps, nos jeunes corps. Donc c'est un roman là-dessus. Et bien sûr que c'est cru, c'est-à-dire, enfin cru au sens, on m'a beaucoup reproché d'utiliser le mot bite en littérature. Mais je veux dire, elle a 14 ans, elle va pas dire pénis, quoi. Surtout qu'elle est, elle est née comme moi au Pays Basque, en province. Enfin bon, on parlait pas comme ça, quoi. Et évidemment qu'un roman se doit d'être dans le langage du corps de ces personnages, quoi. Et Wolf. Il faut la lire pour croire ce qu'elle dit. Enfin, elle est vraiment étonnante. Hein. Ces questions que vous posez de manière romanesque ou romancée dans ce roman, c'est la question du consentement dont on parle aujourd'hui, bien sûr, toujours. Ouais. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir, parce que vous en parlez dans Paula Baker, Être ici est une splendeur, cette manière de combiner être une écrivaine et être une femme. Et vous rappelez, ou être un écrivain, je le dis à dessein, et être une femme, justement. Vous rappelez que vous avez souvent proposé aux journalistes qui vous demandaient une photo de vous, une photo que vous aimez tout particulièrement, réalisée par Kate Berry, vous représentant enceinte, et qu'ils l'ont toujours refusée. Alors, n'exagérons rien, c'est arrivé deux fois, mais effectivement, c'était deux fois de trop, où j'ai envoyé cette photo. En plus, c'était pour mon livre Le Bébé, donc c'était parfaitement pertinent, mais où donc m'a été renvoyé quand on voulait une photo normale. Ah, ça, c'est marrant. Et donc, c'est anormal de se présenter. Oui. Alors ça aussi, c'était en 2001, 2002. Je crois que les choses changent quand même. Enfin, lentement là-dessus. Hein. Il y a toujours cette question d'allaiter en public ou pas. Enfin, ça change lentement, vraiment. Mais non, tous ces livres aussi. Enfin, moi, j'ai lu Judith Butler très tard, comme tous les Français et les Françaises d'ailleurs, parce qu'elle a été traduite très, très tard. Mais elle m'a... Alors, je la trouve très difficile à lire. Je trouve que... Sa phrase est vraiment trop compliquée, souvent. Mais elle m'a apporté des concepts, comme d'autres philosophes, comme Deleuze m'a apporté des concepts, ou Derrida, mais elle, qui était d'ailleurs une de leurs disciples, hein, cette chose très simple qu'est le performatif, c'est pas elle qui l'a inventé, mais elle l'a appliqué au genre. Et cette idée très simple, mais à laquelle je n'avais jamais pensé, que quand on décrit une femme, on ne la décrit pas, on lui donne des ordres. Typiquement, une jeune fille, elle n'est pas pure et innocente. Elle doit être pure et innocente. C'est-à-dire que décrire les jeunes filles de cette façon, c'est leur donner des ordres. C'est leur proposer, leur imposer un modèle auquel se conformer. Et à partir de là, j'ai complètement revisité ma propre enfance, adolescence et même mon âge adulte. Et je me suis rendu compte que il y avait un modèle, disons patriarcal, c'est vraiment le vrai mot, phallocrate, enfin bon, qui me donnait des ordres en permanence et qu'effectivement, il fallait que je déconstruise même des choses en moi, quoi, et que ça commençait par là. Oui. Et c'est beaucoup de travail. Oui. Et en même temps, c'est passionnant. Et c'est un lieu très dynamique pour écrire, pour s'inventer comme écrivaine. Et cette féminisation évidente des noms de métiers, je vois encore de la très grande résistance par rapport au mot autrice, alors que c'est le mot actrice. Alors, actrice, c'est admis, mais pas autrice. No comment. vous êtes allé assez loin dans ce sens et ça m'a beaucoup frappé dans la période que nous venons de vivre du confinement. Vous avez publié un très beau texte dans Le Monde où vous évoquiez votre confinement que vous aviez vécu, un autre que vous aviez vécu dans votre vie, les 18 mois où vous êtes restée alitée pendant vos trois grossesses. Et là, j'ai eu une sorte d'électrochoc en lisant ça, en me disant, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un écrire ça dans Le Monde, et a fortiori, jamais lu une écrivaine dire cela. Et là, il y avait une sorte de collusion, peut-être un effet de choc volontairement voulu par vous, qu'une écrivaine dise ça et écrive ça dans un grand journal, ça m'a beaucoup frappée.
La première fois que j'ai écrit sur cette expérience, c'était à vrai dire dans le magazine Parents, mais ça veut dire beaucoup. Mais je sais gré à Dominique Lelièvre, qui m'avait proposé à l'époque, qui était la rédactrice en chef, d'écrire sur cette expérience de rester allongée. Toute une grossesse, c'était ma première grossesse, mais en fait ça s'est produit 4 fois. Bref, il y a une grossesse qui s'est mal passée, mais donc en tout mis bout à bout, j'ai passé presque 2 ans strictement allongée pour avoir 3 merveilleux enfants à cause du Distilbène. Alors, on est sur un territoire là assez complexe parce que le Distilbène, c'est donc un scandale médical. C'est une hormone qu'on a administrée aux femmes enceintes entre les années 30 et les années 70. Et on s'est aperçu extrêmement tôt que c'était tératogène, c'est-à-dire ça crée des monstres. J'ai la chance d'être un monstre. Et que ça déformait malheureusement les organes de la reproduction. Et donc moi, j'ai un utérus complètement mal fichu qui ne peut pas porter les enfants jusqu'au bout. Et voilà, tout est très compliqué. Il y a une femme Distilbène sur 3 qui ne peut pas avoir d'enfant et ne peut pas tomber enceinte non plus. Bon, on est sujette à divers cancers, etc. Mais tout ça, c'est très compliqué à médiatiser, justement. Et là, il y a un petit lapsus qui flotte. Par exemple, le Mediator, qui est un autre grand scandale médical, grâce à Irène Frachon, entre autres, enfin, c'est beaucoup plus facile d'en parler. C'est le cœur, voilà. Mais l'utérus, le vagin, le pénis aussi, parce que les bébés hommes qui étaient portés par ces femmes qui avaient pris cette hormone avaient des malformations du pénis. C'est très compliqué de parler de ça. Donc ça n'est pas seulement sur le territoire du féminin, c'est sur le territoire, je crois, du genre, et de tout ce qui est formidablement en mouvement hein, en ce moment. Qu'est-ce que c'est être un homme? Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est refuser tout ça? Enfin, cette façon, moi, mes enfants mes bourrifs, hein, tout le temps, ils me disent que c'est une violence de dire à la naissance c'est un garçon et c'est une fille. Moi qui suis née en 1969, je suis un peu. Mais en fait, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous déplace. Voilà. Donc, et moi, je suis le fruit d'un scandale médical. qui avait que ma position dans le monde, enfin, c'est pas pour rien que j'ai écrit Truisme, hein, était d'emblée assez compliquée. Et que je suis une femme, mais bizarrement fichue, quoi. Et ben voilà, entre deux dépressions, comme mon copain Emmanuel Carrère, mais j'ai aussi beaucoup de force, donc j'ai réussi à faire de tout ça parfois des textes, voilà, plus ou moins réussis, mais qui, je crois, travaillent comme je peux, mais à questionner le genre, le corps, voilà. Oui, c'est extrêmement frappant, c'est vraiment à cela que vous vous confronter, affronter, et vous réussissez vraiment à le faire et à le rendre extrêmement sensible pour les lecteurs. Et je vous en remercie. Je pense qu'on peut conclure là-dessus et inviter tous nos lecteurs à lire ou à relire cette magnifique traduction d'un lieu à soi de Woolf, et puis bien sûr tous les romans de Marie Dariussec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.